Parlons des circonscriptions. L'année dernière, nous vous avons demandé si Cornwall devait rétablir le système de scrutin par circonscription. La moitié de la population s'est prononcée pour. L'autre moitié a dit non. Nous allons poursuivre la discussion. Laissez-nous vous en dire un peu plus sur le fonctionnement d'un tel système. Ensuite, joignez-vous à nous lors de la réunion publique du 12 août. Présentement, la ville de Cornwall est représentée par 10 conseillers et un maire. Les 11 élus représentent l'ensemble de la communauté. Ils ne représentent pas une circonscription en particulier. Les élections municipales ont lieu tous les 4 ans. Lorsque vous votez, vous choisissez jusqu'à 10 conseillers et un maire ou une mairesse sur votre bulletin de vote. Lorsque vous avez un problème ou besoin d'aide, vous pouvez vous adresser à n'importe quel conseiller. Voici à quoi ressemblerait un système de scrutin par circonscription à Cornwall. Avec un tel système, un ou plusieurs conseillers représenteraient des circonscriptions précises. Nous pourrions également choisir d'avoir des conseillers élus par la population générale. Les conseillers de circonscription et les conseillers élus par la population générale travailleraient en collaboration. Donc, comment fonctionne une élection avec un système de scrutin par circonscription? Au lieu de voter pour tous les conseillers, vous voteriez pour un ou deux conseillers qui représentent votre circonscription, le maire ou la mairesse. Et si nous choisissons de les inclure dans notre système, les conseillers élus par la population générale. Lorsque vous avez un problème ou besoin d'aide, vous vous adresserez aux conseillers qui représentent votre circonscription. À noter, les conseillers de circonscription n'ont pas besoin d'habiter dans leur circonscription. Ils peuvent vivre n'importe où à Cornwall. Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront les limites des circonscriptions. En 1994, Cornwall en comptait 6. À l'époque, les limites des circonscriptions se situaient du nord au sud. Si nous créons des circonscriptions pour la prochaine élection en 2022, nous tiendrons compte de la population pour nous assurer que la grandeur de chaque circonscription est équitable. Le conseil municipal organise une réunion publique le 12 août. C'est l'occasion pour vous de vous adresser au conseil. Vous pourrez poser des questions et exprimer votre opinion. Inscrivez-vous à l'adresse cornwall.ca/vote.